Hello, chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Dans le cadre de la saison de l'abondance, je reçois aujourd'hui en échange rayonnant Marie-Noëlle l'éclaireuse, qui est coach et conférencière et qui n'hésite pas à nous poser des questions, à réagir tout au long de l'échange. Et puis, si jamais tu nous regardes en replay, n'hésite pas aussi à mettre tes commentaires juste en dessous de la vidéo, puisque on y répondra avec grand plaisir. Donc voilà, juste quelques instants, le temps que Marie-Noëlle nous rejoigne, et puis on va pouvoir commencer. Donc si déjà tu as des petites questions sur l'abondance, ou que tu as envie de nous partager ta vision de l'abondance, n'hésite pas à nous le mettre dans le chat. Salut Happy Face, salut Didier. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc, voilà. Hop. Alors, on va vérifier que ça fonctionne bien cette fois-ci. On dirait que ça bug. Ah non, cette fois, ça marche. Super. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc, Marie-Noëlle, l'éclaireuse d'âme, j'ai envie que tu te présentes un petit peu pour que les âmes créatives qui ne te connaissent pas encore te découvrent et puisque celles qui te découvrent te redécouvrent. Donc, merci de m'avoir invitée, Victoria, et bonjour à tout le monde qui nous regarde et qui vont nous regarder en replay. Donc, Marie-Noëlle l'éclaireuse, tout simplement parce que j'éclaire les femmes ambitieuses qui ont de grands projets à réaliser. Je vois clairement dans l'obscurité ce qu'il y a à faire, ce qui est bloqué, ce qui peut être débloqué de façon à complètement rayonner. On est dans le thème du rayonnement et aussi en termes d'abondance. Donc, on peut, en fait, moi, je travaille à travers du coaching individuel, des programmes de coaching, aussi à travers des conférences. Et beaucoup d'ateliers que je crée. J'adore créer des ateliers sur différents thèmes. Et puis, j'aime travailler aussi avec des collaborateurs. Donc, il me fera plaisir d'en dire plus au fil de l'eau. Et puis, j'ai créé mon entreprise Leaderdell. Justement, Leaderdell pour leader les femmes, être leader de sa vie. Aujourd'hui, je travaille à en faire un mouvement. Un mouvement de femmes qui sont leaders de leur vie. Donc, on pourra en dire plus au fur et à mesure, Victoria. Ah ben super, merci beaucoup Marie-Noëlle. Alors, du coup, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est ta vision de l'abondance? Alors, quand j'ai pensé à notre entrevue, à notre interview, en fait, ce qui m'est venu ce matin au réveil, tu vois, pour moi, l'abondance, il y a trois choses qui me sont venues. Donc, pour moi, c'est voir le beau dans le laid. Hein? C'est... Je me suis dit laid, est-ce que je vais dire laid? Mais oui, c'est ça. Hein? Voir le beau dans le laid, voir la lumière dans l'obscurité. Hein? Et puis, c'est voir l'infini grand, l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Donc, ce sont ces trois choses qui me sont venues quand j'ai pensé à notre thème de l'abondance aujourd'hui. Oui. Exact. Et est-ce que tu as envie de développer un petit peu comment est-ce que selon toi, on peut voir justement l'infiniment grand dans l'infiniment petit, la lumière dans l'obscurité, le beau dans le laid? En fait, le beau dans le laid, c'est simplement parfois, on voit des choses qui sont laides. On n'ose pas le dire, mais c'est vrai. Il y a des choses qu'on voit qui sont, qu'on se dit, ah, mon Dieu, c'est moche. Hein. On ne va peut-être pas dire laid, mais on va dire c'est moche. Hein. ou c'est laid. Et en fait, moi, avant, j'étais dans cette catégorie de personnes qui pensaient que c'était juste laid. Mais quand tu apprends à regarder beaucoup plus loin que la première image que tu vois, tu vois qu'il y a quelque chose qui peut être beau dans cette laideur, entre guillemets, ou dans cette chose, dans cette mocheté.
Donc, par exemple, on va prendre un exemple pour que ça soit très concret. Si je vois, par exemple, un jardin qui n'est pas entretenu, je vais me dire, oh, il est moche, hein, ce jardin. Mais au final, si je regarde un petit peu plus en profondeur et que je connais un petit peu les plantes, ben, je vais découvrir que dans ce jardin qui est moche au premier regard, ben, il y a peut-être une plante médicinale qui peut me faire du bien à mon corps. Il y a peut-être une petite fleur toute minuscule qu'on ne voit pas, mais qui est en train de d'éclore. Ou il y a peut-être aussi, pas peut-être, c'est sûr qu'il y a des petits insectes, animaux qui se nourrissent de cette terre. Et donc en fait, le beau dans le lait, c'est voir au-delà du premier regard. Et quand on voit au-delà du premier regard, on découvre des trésors. Donc ça, Ah, c'est c'est... magnifique ce que Merci. Et en fait, c'est la vie qui apprend ça au fur et à mesure, l'expérience en fait, l'aventure. Plus on va au-delà de l'aventure, plus on va dans l'aventure et plus on découvre le beau dans le lait en fait. dit. Si on va plus loin avec la lumière dans l'obscurité, on a un côté binaire, ombre et lumière. Et c'est vrai qu'on est souvent dans le côté lumière. En tout cas, moi, j'ai toujours voulu faire face à mon côté lumière. Jusqu'à ce qu'un jour, dans mon parcours de coaching, on me présente un livre. Je ne me rappelle plus exactement du nom. Mais bon, on pourra, si tu veux des références, je pourrais te les donner par la suite. Mais qui Oui, me on le mettra parlait, en dessous de la vidéo. exactement, qui me parlait de mon ombre. Et je me suis dit, tiens, j'ai une ombre. Au-delà de l'ombre qu'on peut voir quand on est au soleil, hein, mais l'ombre intérieure. Et là, je me suis dit, bon, ben, ce serait intéressant d'aller lire ce livre. Et donc, il y a cet exemple-là, mais dans mon parcours de coaching, quand mes enseignants me demandaient de chercher des émotions négatives et ce genre de choses, je me disais, mais moi, j'en ai pas, je n'ai que des choses positives. Ou Ouais. je ne voyais qu'un avenir Oh, excusez, séduisant. hein, pour le prix. Vas-y. Je ne voyais qu'un avenir séduisant et je voyais pas en fait mon passé. J'arrivais pas à voir ce passé qui pouvait certainement à un niveau plus inconscient me faire du tort. Et ben forcément quand on fait un parcours de coaching, hein, à un moment donné il faut aller taper dans l'ombre. Hein. Et Ouais. à travers ce livre que je lis, ah oui c'est de Jean Monbourquette. Jean Monbourquette, Exact. ok. Et là, j'ai dû faire face à mon ombre et regarder cette ombre à me dire, ouais, Marie-Noëlle, je pense qu'il faudrait que tu ailles plus profondément dans cette ombre, que tu as rejeté ces émotions négatives que tu n'as pas voulu voir à un certain moment et que tu, en fait, en gros, que tu soulèves le tapis sous lesquels tu as tout mis jusqu'à un certain nombre de temps et qu'aujourd'hui, ben, tu ailles regarder ça. Et encore aujourd'hui, je fais ce travail d'aller regarder mon ombre parce que cette ombre, quand on y fait face, c'est vrai que c'est pas forcément beau, mais là-dedans aussi, ben, il y a des cadeaux en fait. Et ces cadeaux, c'est là où on trouve, dans ces cadeaux qu'on trouve la lumière. On est obligé d'aller dans cette ombre-là parce que l'ombre n'existerait pas sans la lumière et la lumière n'existerait pas sans l'ombre. C'est Donc, ça, c'est la dualité dans laquelle on vit. exact. Exactement. Donc, c'est pouvoir faire face à ces deux côtés, cette dualité ombre et lumière. Et moi, j'ai cette facilité à voir la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire voir le blocage tout de suite. Puisque au départ, je ne voulais pas voir les miens. Donc finalement, quand on arrive à voir les siens, on arrive à voir ceux des autres aussi. Et puis, le troisième point, c'est l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Là, c'est de voir que, là, on parle du côté quantique de la chose. Je ne vais pas rentrer trop profondément dans ce thème parce que ce n'est pas un thème que je maîtrise profondément. Toutefois, c'est de voir que dans les petites choses, souvent, il y a de grands cadeaux, en fait.
dans l'atome, le minuscule atome que l'on peut, que l'on n'aperçoit même pas, ben il y a ces, comment dire, cette beauté, cet atome qui représente justement le grand dans le petit. Et quand on arrive à toucher ce grand dans ce petit, c'est extraordinaire. C'est vraiment, là, on touche à quelque chose d'incommensurable. Et pour moi, c'est à ce moment-là que je touche vraiment à l'abondance. Parce que je me dis, waouh, on n'est plus sur du superficiel. On est dans les profondeurs de l'authenticité, de la vérité même. Et quand on touche ça, ben pour moi, c'est une formidable clé pour l'abondance. Ah oui, merci beaucoup Marie-Noëlle. Alors, juste avant de commencer à discuter un petit peu de la puissance intérieure, parce qu'en fait, on a déjà commencé à en parler, mais on va en parler Ça. plus en amont. La dernière fois, quand tu m'as dit que tu acceptais de cet échange rayonnant, tu m'as dit que tu avais une petite anecdote qui t'avait, une petite expérience qui t'avait poussé justement à parler, à être OK pour parler d'abondance, parce qu'au début, tu me disais que c'était un thème qui te parlait moyennement. Et puis finalement, il s'est passé un truc que tu avais, enfin, que tu voulais à l'époque partager. Je ne sais pas si tu veux toujours le partager avec nous. Alors, tu as une La très petite bonne mémoire abondance. parce que tu as une très bonne mémoire parce que moi, du coup, quand tu me parles de ça, mon cerveau cherche, il se cherche, il se cherche parce que moi, ma vie est abondance complètement et je vis plein d'aventures et c'est vrai qu'après, je les mets au fur et à mesure dans un cahier, dans un genre de dossier et après, pour retourner les chercher, je réfléchis. Du coup, j'essaie de voir. Au moment où tu m'as proposé, effectivement, j'étais comme, oui, c'est un thème qui me parle, mais je ne savais pas de comment l'aborder avec toi, en fait. Et il s'est passé quelque chose, effectivement, et là, je suis désolée, mais je ne me rappelle plus exactement les détails de cette expérience que. Alors, Alors, ce que tu m'avais dit, c'est que tu avais une amie qui avait refusé les propositions d'abondance et Oui, ok. de d'entre vous. Et c'est ce qui t'avait poussé, en fait, finalement, à accepter mon échange. Pour parler d'abondance. Oui, merci Victoria. Donc effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on parle là, on va parler de l'abondance financière. Parce que quand on parle d'abondance, on parle de l'abondance de la vie. On est d'accord. Mais en fait, on peut avoir de l'abondance dans différents domaines de notre vie. Et là, c'est la question financière qui a pointé le bout du nez. Donc on a organisé un dîner entre amis pour un anniversaire. Et là, il était question que l'on commande auprès de traiteurs un repas. Donc chaque personne, ça coûtait à quoi 20 euros à peu près le repas. Donc chaque personne commande son repas à 20 euros. Et l'une de ses amies, ben, elle a clairement dit qu'elle n'avait pas la possibilité de payer ses 20 euros. Donc en fait, la personne qui l'a invitée lui a dit, eh ben, écoute, c'est pas grave, ce qui est important pour moi, c'est que tu sois présente. Donc, je t'offre le repas. Et elle a dit, ah non, je suis gênée, je ne veux pas accepter. Donc, mon amie en question m'appelle, celle qui lui a proposé m'appelle et me dit, mais elle a refusé. Je dis, quoi, elle a refusé? Mais c'est pas possible, en fait. Mais ça, donc, on a conversé sur ça en se disant, mais en fait, elle est en train de refuser l'abondance dans sa vie, en fait. Parce que l'abondance commence par savoir recevoir. Et C'est si ça. on ne sait pas recevoir, ça veut dire qu'on n'ouvre pas la porte à d'autres cadeaux beaucoup plus grands qui peuvent nous arriver. C'est-à-dire qu'elle, en ce moment, elle est dans des difficultés financières. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des Oui. difficultés financières à un moment donné. Mais pour pouvoir sortir de ces difficultés financières, il faut pouvoir accepter les cadeaux que la vie te propose. C'est Donc, ça.
Elle a refusé cette première amie et donc je me suis dit, bon, je vais aller frapper à la porte pour discuter avec elle. Et donc j'appelle mon amie et puis je lui dis, écoute, oui, Joanne m'a dit que tu as refusé. Non, en fait, non, j'ai pas dit ça. Je lui dis, écoute, ce serait bien que tu sois là, que tu viennes avec nous. Et si tu veux, moi, je peux t'aider à payer, je t'offre le repas. Elle m'a dit, non, on me l'a déjà proposé et je veux pas. Et c'était comme. Donc, elle avait déjà deux personnes qui lui proposaient de contribuer à ce repas pour elle, de façon à ce qu'elle soit présente. Et là, elle a dit, je sais que c'est mon ego, mais oh, j'ai quelque chose à traverser dans ça et non, pour l'instant, je ne peux pas accepter. Ouais. Donc, elle Et du était. coup, en fait, elle a Oui. dit non tant au côté financier qu'au côté retrouvailles et sociales, puisqu'on parlait de l'abondance de vie, passer des moments chaleureux avec ses proches, avec ses amis, etc., partager un bon repas, ça n'a pas forcément une dimension pécuniaire, mais ça fait aussi partie de l'abondance, en fait. Totalement. En fait, elle s'est coupée d'une partie de cette rencontre parce qu'elle a décidé de venir nous rejoindre après. Mais c'est vrai qu'il ne manquait qu'elle au repas. Donc, on sentait qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas présent, mais elle a fait le choix. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut souligner, c'est qu'elle a pris sa responsabilité dans cette abondance, dans cette non-ouverture à l'abondance, elle est C'est consciente que ça. c'est son ego qui a fait qu'elle a refusé. Et si bien que même quelqu'un d'autre lui a proposé et elle a dit non, en fait. Dans ces cas-là, on ne peut pas forcer quelqu'un. C'est ça. En fait, plusieurs personnes lui ont dit, mais ouais, mais tu te refuses à voir les cadeaux qu'il y a pour toi dans ça. Bon, ben, elle a dit non. Et puis, bon, ben. Donc, c'est de cette petite anecdote que je me suis dit, mais il faut que j'aille parler de l'abondance avec Victoria, parce que souvent, surtout en tant que femme, on sait donner, on aime donner, c'est facile pour nous de donner. Par contre, ce que j'ai observé avec tous mes coachés, c'est que la Moi y carte. compris hein, à l'époque. Oui, c'est vrai. La capacité à recevoir n'est pas présente. Et on va toujours, souvent, fortement ressentir une gêne. Oui, mais tu sais, je ne devrais pas. Et donc, ce que j'apprends à mes clientes, c'est vraiment de se dire, je sais que tu aimes donner. D'ailleurs, mes clientes me donnent beaucoup. Mais quand moi, je viens pour leur donner, c'est qu'elles se ferment. Non, mais je ne peux pas accepter un cadeau de toi, je suis qui pour ça? Non, ouvre-toi, C'est accepte, ça. accueille, accepte et dis merci. C'est ça. Parce que c'est comme ça que tu vas recevoir. Souvent, on demande, oui, je veux gagner beaucoup d'argent. Oui, on veut gagner beaucoup d'argent. Mais quel est ton rapport d'abondance avec l'argent? Et est-ce que tu es ouverte à recevoir cet argent-là? Surtout ça. Exactement. D'ailleurs, tu m'as rappelé quelque chose, Victoria, que je t'avais fait faire avec les mains et... J'utilise tout le temps, hein. Donc, en fait, c'est de se dire, par exemple, là, on est parti sur l'abondance financière. Ben, c'est vrai que dans l'abondance financière, c'est pouvoir de se dire que, OK, j'ouvre mes mains à recevoir. Mais si... Et pour recevoir, il faut pouvoir donner aussi. C'est vraiment l'aller-retour entre les deux qui fonctionne. Donc, si on n'est pas dans cet aller-retour, ce va-et-vient, je pense qu'à un moment donné, il y a le boomerang qui ne fonctionne pas, en fait. Oui, Et il y a un blocage au niveau de l'énergie, en fait. exactement, il y a un blocage au niveau de l'énergie. Et du coup, au niveau des mains, ben, si on retient de trop, comme si on retient comment on est capable d'ouvrir. C'est pas C'est possible. ça. Donc c'est ça que tu racontais la dernière fois. Donc voilà. Parce que c'est vraiment un exercice que je trouve vraiment très, très puissant.
et que j'utilise aussi avec mes coachées parfois parce qu'elles sont en mode agrippées. Ouvre les mains, essaye ça parce que ça marche. Et même moi, des fois, quand hier, pas plus tard qu'hier, j'ai mon corps a envoyé des signaux et j'étais en train de me dire, je suis un peu trop dans les il faut. Coucou Véronique, je suis un peu trop dans les il faut. Et même en me disant il faut que j'arrête de me dire il faut, j'étais déjà dans il faut. Donc je me suis dit, bon, écoute, on va faire un stop, on va tout lâcher, on va attendre et on va voir ce qui vient. Mais tu vois, Donc. ça m'amène la notion de lâcher prise. Tu sais, à un moment donné, si on lâche pas prise, on est trop dans le contrôle. Et être dans le contrôle, ça veut dire que l'on force. Et si tu forces, ben tu es pas dans la fluidité. Coucou C'est Véronique. ça. Alors, il y a petite main qui dit, je veux bien découvrir le rituel des mains, s'il te plaît. Donc, je te laisse l'expliquer. Alors, en fait, ben, ce n'est pas vraiment un rituel, c'est simplement que quand je travaille avec mes clients, j'observe rapidement ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas en termes de gestes. Et Victoria, elle avait hâte de recevoir, d'accueillir l'abondance dans sa vie à tous les niveaux, en fait. Mais elle était dans la retenue, beaucoup de retenue de qui elle est et de ce qu'elle avait à offrir, tout simplement. Donc, je me souviens pas exactement le contexte, mais je pense J'avais toujours des trucs que en main. exactement. Donc, en fait, là, j'observais qu'elle était souvent en train de fermer comme ça, et puis certainement qu'à un moment donné, elle fermait les poings. Et là, je lui dis, mais si tu fermes constamment, comment veux-tu accueillir? Comment, il faut, en fait, ce que je lui ai dit, il faut lâcher pour pouvoir ouvrir et recevoir. Et je crois que ça a été magique parce que à ce moment-là, elle a lâché. C'est comme si elle tenait quelque chose constamment. Et là, elle a lâché et elle a commencé à ouvrir, tourner vers le ciel. Et là, elle a eu plein de cadeaux qui ont commencé à arriver dans sa vie. Ah oui. Puis j'ai peu de temps après aussi, j'ai découvert le jeu de l'abondance que je vous partage régulièrement en story en ce moment. Mais c'est vrai que le côté ouvre les mains pour pouvoir saisir les choses, dépose ce que tu as à l'heure actuelle en main pour justement être ouverte à ce qui t'entoure et à ce que tu peux recevoir. Ça c'est vraiment même physiquement, c'est important en fait. D'être capable d'ouvrir les mains parce que bien souvent on a son téléphone ou on est en train de prendre des notes parce que moi j'écris beaucoup, mais j'avais toujours plein de choses en main et maintenant ben, j'ai redécouvert la passion des sacs donc j'ai toujours plein de sacs, mais je dépose en fait dès que je peux, je dépose et pareil quand je dois descendre de voiture. Eh ben, bien souvent, je prends pas mon sac à main si j'en ai pas besoin, ou je prends pas, enfin, je prends le strict minimum à chaque fois. Et je partageais ça avec mes neveux pendant les grandes vacances. Ils me disent, mais Tati, tu descends pas avec les autres? Non, non, ça reste dans la voiture. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, quand on en aura besoin, on ira chercher. Mais pour le moment, on descend les mains vides. Comme ça, si on a besoin, il y a moyen. Et ça me fait penser, Victoria, c'est pareil, on voit ce geste dans la méditation, quand on médite. Souvent, oui, voilà, on recommande d'ouvrir la paume des mains vers le ciel, de façon à pouvoir sentir déjà l'énergie dans la paume des mains et aussi de pouvoir accueillir les cadeaux, en fait. C'est pour ça que quand souvent on dit les mains posées, la paume tournée vers les cuisses, en tout cas moi quand je médite ou quand j'accompagne des gens à méditer, la paume des mains tournée vers les cuisses, je leur dis de préférence ouvrez la paume des mains vers le ciel, de façon à accueillir, parce que ça veut dire aussi tourner vers les cuisses, la paume des mains, ça veut dire aussi la fermeture. Donc, si on est fermé, pour que quelque chose puisse entrer dans une pièce, il faut ouvrir. Donc, ça passe par en fait, physiquement, ton corps, si il veut accueillir l'abondance en général, ben,
ça passe aussi par le corps. Ça, il n'y a pas que les pensées, il y a aussi le corps. Ton corps doit être ouvert. Par exemple, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux rencontrer l'amour. Ben, si tu as les mains comme ça croisées, hein, comme si on me voit, est-ce que tu vas être capable de rencontrer? Tu es complètement en fermeture. Non, ouvre, ouvre ton buste, montre ta poitrine et ça ouvre complètement vers la personne que tu pourrais rencontrer ou même l'ouverture à des relations, quelles qu'elles soient. Donc, en fait, pour moi, l'abondance passe aussi par le corps et non uniquement par la tête ou par le travail. On pense que oui, plus tu vas travailler, plus tu auras de l'abondance. Non, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Si à une époque c'était vrai, aujourd'hui, ce n'est plus vrai. L'abondance doit passer, aujourd'hui, va passer par ton corps. Et on l'a vu pendant le confinement. Plein de gens ne travaillaient pas. Les Ouais. confinements, il n'y a pas eu qu'un seul pendant les confinements, Oui, surtout le hélas. premier. Plein de gens ne travaillaient plus, plein de gens ont perdu leur boulot. Mais quand même, ils étaient à un certain niveau dans l'abondance. Et ça demande une ouverture d'esprit pour pouvoir voir ce qu'on ne voit pas au premier abord. Ah oui, moi par exemple pour les confinements, enfin en tout cas le premier, déjà bon ça m'a rappelé une époque passée, jadis où moi j'avais senti que j'étais confinée, mais c'était pas le cas de tout le reste du monde parce que à l'époque où j'ai fait ma virose après la méningite, ben, j'étais entre guillemets confinée pendant 3 mois parce que je pouvais pas bouger, j'étais pas contagieuse mais je pouvais pas bouger, j'étais fatiguée donc je devais rester dans ma chambre etc. Mais là j'étais en mode ah mais je peux profiter de chez moi parce que je suis en bonne santé, je peux profiter de mon compagnon parce qu'il est là avec moi, on profite de la maison alors que d'habitude on court à droite et à gauche. C'est ça. Vraiment, on a profité de ce temps-là justement pour ben, poser. Moi, j'ai posé les choses que j'avais envie de faire. C'est là que j'ai décidé vraiment de me lancer dans l'entrepreneuriat et puis de me former, etc., etc. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, mais j'ai plein de temps et j'ai plein de temps rien que pour moi. Et donc, du coup, c'était génial en fait. Enfin, cette partie-là, en tout cas, était géniale. Donc voilà. Donc, effectivement, il y a cette partie-là. Il y a petite main tout à l'heure qui nous disait, alors j'espère que l'abondance financière ne tardera pas parce que je médite, je le fais, mais j'ai pas encore de résultats. Ça viendra, t'inquiète pas, continue à travailler sur toi. Je pense que à force, ça va venir. Alors c'est Donc vrai que parfois il y a des blocages invisibles en fait qui empêchent l'abondance dans la vie. Et c'est sûr comme tu dis, tu parles de travailler sur soi. C'est vrai que de moins en moins j'aime ce mot de travail sur soi. Je préfère Et ces l'accompagnement avec soi-même. oui, c'est ça. J'aime à dire s'accompagner dans son processus. Trouver ce qui marche avec soi, parce que c'est vrai que quelque chose peut marcher avec toi, mais ne pas marcher avec moi, ou Ça. vice-versa, et pourrait ne pas marcher avec toi, petite main. Donc, en fait, ce serait plus se dire, trouver ses propres réponses. Et quand on parle d'abondance, avant que je ne me connecte pour notre live, Victoria, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai à partager sur le thème de l'abondance? Et ce qui m'est venu, c'est être soi pour attirer l'abondance. Plus on est soi-même en fait, et plus, c'est-à-dire on enlève tous les masques, plus on ose se montrer, et plus on est dans sa fluidité, dans la facilité, dans l'amour de soi, et plus l'abondance va venir vers soi. Et une des grandes problématiques que je rencontre dans mes coachings, c'est que, et ça bloque complètement l'abondance, c'est qu'on ne s'écoute pas. Ça, C'est ça. c'est, n'est-ce pas, Victoria? Et tu sais, ce matin, avant de me lever, j'ai fait un rêve. Alors, pour toi, âme créative, qui ne sais pas forcément, j'ai quelques rêves qui sont assez porteurs de messages. Donc, quand ça vient comme ça, j'essaye autant que possible de les partager à qui de droit.
Et là, aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec vous. Alors, je suis désolée, il y a un petit peu de bruit. Apparemment, il y a du passage aujourd'hui. C'est l'abondance. C'est ça, il y a du monde. Et dans le rêve que j'ai fait ce matin, juste avant de me lever, c'est que j'étais avec ma mère, elle était au téléphone, et ce qu'elle entendait ne lui plaisait pas du tout. Et donc, du coup, elle était dans une émotion qui était assez difficile à vivre. Alors, je ne sais pas si c'était de la colère ou de la tristesse. Hein. Je suis dans le rêve, mais je n'étais pas à sa place. Et quand je me suis venue à côté d'elle pour la réconforter, etc., j'ai senti une ombre derrière moi. Et quand je me suis retournée, j'étais tout de suite en position défensive, alors que cette ombre-là ne m'avait rien fait particulièrement et elle n'avait rien dit de menaçant, etc. Mais comme j'étais déjà en mode j'essaye de protéger ma mère et que pour moi, on était dans une position vulnérable, j'ai senti comme une menace autour de moi. Et en fait, ce qui est venu, parce que je me suis posé la question, mais quel est le message en fait? Parce que finalement, j'ai repoussé la silhouette, mais au bout d'un moment, j'ai quand même demandé, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Et en fait, c'était une représentation de l'inconnu qui arrive quand on est vulnérable, parce que quand on est vulnérable, on est davantage sensible à ce qui nous entoure. Et bien souvent, parce qu'on est vulnérable, on se dit que tout ce qui va venir, ça sera une menace, alors qu'il n'y a pas forcément de danger et que si jamais on est en mode « j'accueille ce qui vient » et je pose la question d'abord « tu viens pourquoi ?» avant de dire « tu viens pour me faire du mal », eh bien, on peut avoir de bonnes surprises en fait. Donc, c'est le message qui est venu ce matin et que je t'ai partagé d'ailleurs sur Instagram avant de venir te rencontrer. Mais vraiment, ça m'a fait quelque chose parce que tout au long de cette année 2021, moi, ce que j'ai senti comme intention sur cette année, c'est vraiment d'arrêter d'être dans la protection, mais d'être dans l'accueil, en fait. Parce que on est venu ici, enfin, en tout cas, je suis persuadée qu'on est venu ici pour expérimenter des choses. Et la souffrance peut en faire partie, même si ce n'est pas une finalité en soi, en fait. Donc, quand on est dans l'accueil, oui, il peut y avoir des moments désagréables, il peut y avoir des moments douloureux. Mais en même temps, si jamais on prend le temps même d'accueillir ces moments désagréables et douloureux, on traverse les choses et puis on est capable déjà d'apprendre. Puisque là, du coup, j'ai eu une information nouvelle sur comment être dans la réception. Et puis, on peut recevoir encore d'autres choses qui sont parfois insoupçonnées, puisque c'est de l'inconnu, donc on ne sait pas encore. Non, mais c'est vrai que ta réflexion, en fait, ton analyse, comme disait Véronique, est très bonne, parce qu'en fait, c'est vrai que la vulnérabilité fait peur. Être vulnérable fait peur. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, mais si je suis vulnérable, ben, qu'est-ce que les gens vont penser? Et donc, c'est vrai que je n'osais pas aller beaucoup dans cette vulnérabilité avant, en me disant, mais... Et puis aussi, la vulnérabilité est vue dans cette société comme de la faiblesse. Donc, c'est ça. On n'a pas envie de se voir faible ou de se sentir faible ou que les autres pensent qu'on est faible. Donc, du coup, on va plus chercher à paraître forte, à avoir un visage que l'on pense qui nous ressemble pour se montrer face à l'autre de façon plus, je veux dire, beau, belle et être complètement... Être vulnérable, c'est aussi être soi. Exactement, Laurence. C'est ça, c'est être soi. Mais c'est vrai que on a peur de... La dernière fois, quand j'ai dit ça à quelqu'un, mais il faut te montrer plus vulnérable dans le contexte professionnel, elle m'a dit, ouais, mais si je me montre plus vulnérable, on va me mettre un couteau dans le dos. Donc, en fait, surtout aux Antilles, c'est difficile de... On n'aime pas trop parler de soi. Et on va cacher beaucoup de choses parce que l'on pense que si on dit notre vérité, ben ça va être en notre défaveur. Mais ça, c'est vraiment ça. Quelque chose, c'est une croyance limitante
qu'il faut apprendre à transformer, À justement. déposer. Déposer, transformer, parce que c'est vrai que plus on sera vulnérable, plus on va pouvoir être dans notre vérité, comme disait Laurence, et plus on va pouvoir recevoir les cadeaux que la vie a pour nous. Et c'est exactement ton message, en fait, ton analyse, l'analyse de ton rêve de ce matin, c'est de se dire que le cadeau se trouve dans la vulnérabilité qui va emmener l'abondance à tous les niveaux dans notre vie. Oui, alors il y a Laurence Lovely qui nous dit Brené. Alors je ne sais pas si je prononce correctement et je suis désolée si ce n'est pas le cas, mais Winnie Brown. Winnie Brown. Brené Brown parle du pouvoir de la vulnérabilité aussi, effectivement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est une mentor que j'adore, Brené Brown. Elle a construit son business sur la vulnérabilité. Et aujourd'hui, eh ben, elle fonctionne dans les entreprises. Elle apprend aux cadres, aux dirigeants, à être plus vulnérable, à s'ouvrir à leur vulnérabilité. Et elle a fait un TEDx, d'ailleurs. D'ailleurs, tu pourras le mettre dans tes... Dans Dans les les références. références, à la fin, le TEDx de Brené Brown, il est absolument à voir. Il est en anglais, mais sous-titré en français. Parce que là, du coup, elle parle comment, à travers sa vulnérabilité, ben, elle a conquis le monde, je dirais, à un certain niveau. Et aujourd'hui, c'est une Américaine et elle fait beaucoup de recherches sur sur la vulnérabilité, sur la peur, sur le doute. Et elle apprend aux personnes à être plus vulnérables. Et elle a écrit plusieurs livres d'ailleurs très intéressants. Que je ne manquerai pas de regarder incessamment. Alors, il y a Claudia qui nous dit acceptation de soi, accueil des émotions telles qu'elles sont. Oui, aussi, ça fait partie de ce processus, en fait, qui nous permet notamment d'accueillir l'abondance dans notre vie. Et aujourd'hui, Victoria, avec la société dans laquelle on est, le monde qui est en train de changer, on est appelé à être plus ouvert à soi, à être plus dans cette vulnérabilité, à montrer vraiment qui on est, de façon à être justement dans cette nouvelle ère d'abondance. On est entré dans ce monde, dans la sphère, dans l'énergie du Verseau. Et l'énergie du Verseau, justement, qui est cette énergie du partage, de la vulnérabilité, d'être soi, de pouvoir être dans l'amour, dans la compassion, et toutes ces valeurs qui représentent l'énergie du Verseau, ben justement, elles sont en train de transformer ce monde actuellement. C'est tout petit, on ne le voit pas forcément. Les personnes qui sont un peu plus éveillées l'observe et le constate. Mais plus on est éveillé, plus on s'accompagne, pas travaille sur soi, plus on s'accompagne et plus on sera amené justement à être ces piliers de lumière pour montrer le chemin de l'abondance d'une façon autre que ce que l'on connaît. Coucou Guylaine! Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, cette année, c'est une année vraiment de grands changements. Et bon, personnellement, je le sens physiquement et je le sens émotionnellement. Laurence nous dit qu'il y a aussi un beau documentaire sur Netflix qui s'appelle The Call to Courage. J'irai voir. J'ai noté tout ça. Hein. C'est noté sur ma feuille là, tu vois, j'ai noté toutes les références. Je vais vous les mettre en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aussi les avoir même en replay. Donc oui, c'est vrai que là, le changement, il est vraiment palpable en fait. C'est ça. Et c'est aussi ben, ce qui m'a donné envie de faire les saisons, la saison du rayonnement, la saison de l'abondance, la saison de la libération bientôt en novembre. Et ces échanges rayonnants, vraiment, pour moi, c'est de l'abondance parce que vous recevoir comme ça et puis discuter de ces différents sujets, c'est vraiment très important pour moi. J'ai l'impression que ça fait vibrer les énergies différemment. Donc, ça me plaît vraiment beaucoup. Ce n'est pas une impression, Victoria. Tes échanges rayonnants te permettent d'être plus rayonnante
et de permettre aux gens de vibrer parce que tu interviews des personnes fantastiques, formidables, qui ont tous des messages à transmettre dans ce monde. Et je crois que ça permet la transformation. C'est important qu'aujourd'hui qu'on puisse aller dans cette transformation, que les gens, le public puisse comprendre que on change. Le monde change et qu'il est important de changer avec ce monde. Parce que si on ne change pas avec ce monde, ben, on risque d'attraper des maladies et d'être Hélas. asphyxié. Donc c'est ça le revers de la médaille. Si on ne va pas vers ces énergies nouvelles, ben, l'asphyxie, c'est la porte d'à côté. Et quand je parle d'asphyxie, ben, je parle de maladies qui viennent avec. D'ailleurs, dans le contexte actuel dans lequel on est, quand on parle d'abondance, on parle aussi de positivité, on parle aussi d'ouverture. Et toutes ces énergies positives, justement, peuvent empêcher d'avoir un système immunitaire faible et de tomber malade. C'est J'y crois ça. fortement, au-delà des médicaments, au-delà de tout ce qu'on pourrait prendre d'ingurgité par la bouche. Il y a aussi le physique, il y a aussi le mental. Donc c'est important d'aller sur tous ces plans, autant physique, énergétique, émotionnel, psychique, et de pouvoir s'aligner dans une énergie positive qui va attirer l'abondance et qui va attirer le rayonnement. Merci. Il y a Véronique et Claudia, énergéticiennes, qui disent qu'elles sont tout à fait d'accord avec toi. Claudia qui nous dit les énergies communiquent et sont en résonance. Donc voilà. Et donc du coup, parlons un peu plus de puissance intérieure, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'abondance. On est tout à fait dans le thème. Mais toi, je sais que tu travailles beaucoup sur la puissance intérieure. Et d'ailleurs, j'ai fait appel à toi pour ça aussi. Parce que tu m'as permis de passer de ça à ça. Donc, j'ai éclos. Enfin, je suis toujours en cours de, mais j'ai déjà bien travaillé, enfin, j'ai bien avancé là-dessus, Certainement. grâce à ton accompagnement. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler davantage de la puissance intérieure pour les âmes créatives qui te rencontrent aujourd'hui ou qui te redécouvrent aujourd'hui à travers cet échange rayonnant? Alors, si tu me permets, Victoria, je vais parler de la puissance intérieure à travers mon expérience. Parce que Bien sûr. si aujourd'hui je parle de puissance intérieure, c'est parce que j'en ai fait l'expérience. Et pour moi, à un moment de ma vie très jeune, j'ai commencé à me questionner sur le sens de ma vie. Parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur Terre. Ça ne faisait pas de sens pour moi que je sois là et que je souffre autant. Parce que ma problématique, c'était la souffrance. Je me disais, mais pourquoi le bon Dieu m'a mise sur Terre? Ça ne fonctionnait pas pour moi. Et plus je cherchais, plus je me disais, mais si il m'a mis sur Terre, comme on dit qu'il est très intelligent et qu'il a un grand cœur et qu'il est là pour sauver les gens, je me suis dit, si il m'a mis sur Terre, c'est pour une raison. Donc, à cette époque, j'ai commencé à me questionner sur ces questions, j'avais 10 ans. Parce que je Ah voyais oui. les, oui, très très tôt, hein, je voyais les femmes de ma famille qui souffraient beaucoup. Et je me suis dit, c'est ça la vie? Et plus je grandissais et plus je me posais la question, mais si le bon Dieu est si grand qu'on le dit, est-ce qu'il est censé nous laisser souffrir autant? Et je me suis dit, si c'est pour souffrir comme ces femmes que je vois, Attends, il y a eu un petit bug. Alors, je ne t'entends plus très bien. Je ne sais pas si toi tu m'entends. Alors, dites-nous dans le chat si jamais vous entendez bien Marie-Noël. On a Alors, bug.
Je ne t'entends plus. Ah, ça y est. Attends. Hop. Alors. Mince. Est-ce que vous me voyez? Dites-moi dans le chat si vous me voyez. Je vais réinviter Marie-Noëlle pour qu'elle nous rejoigne. Hop, on a eu un petit bug. Alors, oui, on a perdu Marie-Noëlle quelques instants, le temps qu'elle nous rejoigne. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'abondance. Si jamais ça, pour le moment, ça vous parle, ce qu'on dit. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si besoin. Alors, oui, j'ai rajouté déjà à Noël. T'invité. Je ne sais pas pourquoi tu passes, t'affiches pas encore. Alors. Je suis désolée, hein. Après lundi, la technique apparemment, c'est plus trop ça. Ça y est, on t'a à nouveau. Il y a eu un problème avec mon téléphone. Donc, on en était où? Donc, du coup, est-ce que tu peux reprendre pour la puissance intérieure pour toi? Parce que ça a commencé à bugger à ce moment-là. Donc. Donc, je disais que j'étais en train de parler de mon expérience de la puissance intérieure. Donc, en fait, dès l'âge de 10 ans, rapidement, dès l'âge de 10 ans, je me questionnais sur le sens de ma vie et sur l'importance. Pourquoi j'étais sur Terre. Et à ce moment-là, la réponse, en fait, parce que je souffrais énormément et je voyais les femmes autour de moi souffrir beaucoup. Si à 10 ans, si autant de femmes souffrent comme ça, parce que elles étaient tout le temps en train de se plaindre, elles étaient grises, je voyais mes enseignants qui n'étaient pas bien allés en classe, je me suis dit, ben écoute, Marie-Noëlle, si le bon Dieu qu'on dit si bon, si grand, c'est pour une raison. Et là, je me suis dit, ben écoute, va chercher la raison pourquoi tu es sur Terre. Et là, j'ai commencé à faire des choix pour m'emmener dans la quête de moi-même. Donc, je suis partie en voyage avec moi, en voyage avec moi-même dans mon intérieur pour découvrir mes dons, mes talents, pour découvrir qu'est-ce que le bon Dieu a mis à l'intérieur de moi. Et là, avec ces dons et ces talents, ben, qu'est-ce que je pouvais offrir au monde? Parce que je savais que j'avais quelque chose à faire dans ce monde, mais je ne savais juste pas quoi. Donc, Ouais. à un moment donné, ben, mon parcours m'a amené à devenir coach et je suis devenue coach en programmation neuro-linguistique. Et j'ai découvert mes dons, j'ai découvert mes talents. Et là, j'ai découvert que j'étais capable de transformer la vie des femmes à travers qui j'étais, à travers ma souffrance, à travers ce que j'avais appris de mon expérience, et j'ai découvert ma puissance intérieure. En fait, pour moi, la puissance intérieure, c'est ce dont je suis capable de faire. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir dont on peut parler politique ou le pouvoir extérieur. C'est vraiment. D'ailleurs, je parle, je me rends compte que j'ai pas mes écouteurs. Je me rends compte que. M'entends? Mais on t'entend bien hein, pour le moment. Si jamais. Donc, en fait, je disais que. Donc, en fait, cette puissance intérieure, ça a commencé à travers mon parcours de coach. Où là, un jour, un prof m'a dit, Noël, tu as une flamme à l'intérieur de toi. Cette lumière, elle ne demande qu'à briller. Et je me suis dit, ah bon, j'ai une flamme. Ok, ben, mais comment on fait pour la faire briller? C'était ça ma réflexion. Et en fait, à un moment donné, ça m'énervait énormément. La majorité de mes enseignants me disaient ça. Ta flamme, il faut la. Oui, mais vous m'énervez. Comment je fais briller ma flamme? Je ne sais pas. Et puis, au fil de l'eau, ben, j'ai appris que plus
j'allais me découvrir, travailler sur mes émotions, travailler sur ce qui m'avait fait mal dans ma vie, ben, à ce moment-là, cette puissance s'éveillait à l'intérieur de moi et plus j'étais capable justement de voir ce que je pouvais faire avec ma beauté, mon trésor intérieur. Et donc ça a commencé avec la flamme intérieure et puis à un moment donné, j'ai senti comme des... J'adore le champagne, à dire, et le bon champagne. Et je me sentais avec des petites bulles à l'intérieur de moi. Comme je me sentais comme une... avec des petites bulles qui pétillent. Et j'étais dans ma chambre, ok, professionnelle. J'étais dans ma chambre au Québec et j'avais la sensation d'être comme une bouteille de champagne fixe. Et je ne savais pas comment exploser. Donc, je suis quand même très croyante à me dire, écoute, demande au bon Dieu de t'aider, quoi puisse permettre à ce que cette femme puisse juste payer le bouchon, juste monter au... Et ça ne s'est pas fait d'un coup, petit à petit. Cette bouteille de champagne, ben, à un moment donné, a juste pété en douceur, on va dire. Et en 2014, je suis devenue coach en PNL, j'ai été diplômée, et puis tout de suite, ces bulles, ce pétillement que je ressentais m'a emmenée à créer mon premier atelier, à créer ma première conférence et à vouloir venir en Martinique offrir ce que je venais d'apprendre, en fait. Parce que je trouvais que mes compatriotes devaient savoir ça, devaient recevoir ces informations. Et plus je créais des événements, plus j'accompagnais des femmes, et plus ce pétillement en moi vibrait, cette puissance en moi sortait, jusqu'à ce qu'en 2018, j'ai créé un événement, la Semaine de l'Excellence, où j'ai fait venir des enseignants québécois pour justement qu'ils puissent transmettre ce que eux, ils m'avaient transmis. La semaine de l'excellence est basée sur l'excellence. Et bien justement, ce truc que l'on a à l'intérieur de nous qui fait qu'on fonctionne de façon unique. C'est notre identité. Comment on dit, Victoria? Aide-moi, s'il te plaît. C'est notre... Identité itérative, non? En fait, c'est plus... L'identité narrative? Et c'est pas le mot que je cherche. C'est Ah, d'accord. on parle d'excellence, mais c'est le processus identitaire. Ah oui, le mode opératoire identitaire itératif. Merci. Et quand on est dans plusieurs choses, c'est pas évident d'avoir les termes. Donc j'ai découvert mon excellence, qui est le mode identitaire itératif. Opérateur, identique. Créé Ouais. de Joël Guillon et en fait il aide à dévoiler ben, la façon dont toi tu fonctionnes comme personne, mieux que personne et quand tu découvres cette de toi, ben, tu es capable de la motiver et tout plus facile, plus fluide et plus simple et tu atteins la sécurité financière. Donc Oui. globalement, c'est ça. Et quand je l'ai découvert, quand je l'ai rencontré, cet homme-là, ce monsieur-là, je me suis dit, il faut absolument que j'emmène cet événement en Martinique, que je crée un événement, la Semaine de l'Excellence en Martinique. Et c'est comme ça que les choses se sont produites et que j'ai, au fur et à mesure que je créais, ben, j'ai travaillé sur cette puissance intérieure qui me permet aujourd'hui d'accompagner des femmes et parfois quelques hommes à développer cette puissance intérieure. Pour moi, c'est important parce que quand on touche à cette puissance intérieure et quand on la développe, ben on est capable de justement d'avoir un impact dans, si c'est en Martinique, parce qu'on est en Martinique, Toria et moi, mais ça d'avoir un impact dans la partie du monde dans laquelle on habite, ou bien avoir un impact Ouais. mondial si on veut avoir un impact mondial. Donc pour moi, la puissance intérieure, c'est ça.
c'est la découvrir pour avoir un impact, soit au niveau local, au niveau national ou international, en fonction de notre ambition. J'ai beaucoup parlé, je trouve. Je ne sais pas si ça a été clair. Si vous avez des questions. Oui. Alors, il y a Petite Main qui disait, je crois en la loi d'attraction. Alors, l'abondance fait partie de mes intentions posées depuis un moment. Et je veux m'élever et sortir de la pauvreté familiale. Je veux être libre et sortir du schéma. Alors, je ne vois pas la fin du schéma, je suppose, du schéma actuel, en fait, dans lequel tu es. Et ben, c'est justement, en fait, toutes ces personnes, et j'espère que tu pourras suivre ou sinon voir les replays. Mais effectivement, quand on parle d'abondance, il y a plusieurs aspects. Et même si on pense la loi d'attraction, moi, j'ai lu un tas de livres dessus, mais à chaque fois, en fait, il y a le concept de visualiser ce qu'on veut, il y a le concept de parler de ce qu'on veut et pas de ce qu'on veut pas, et il y a aussi la partie vibrer déjà à l'heure actuelle ce qu'on souhaite attirer. Et parfois, on a des blocages qu'on n'a pas encore identifiés qui nous freinent dans la réalisation de ces perspectives qu'on arrive très bien à visualiser, qu'on arrive presque à toucher du doigt, mais il manque ce petit quelque chose. Et ben pour moi, en fait, je trouve que c'est important de se faire accompagner parce que le regard extérieur des professionnels, alors ça peut être des coachs, ça peut être des kinésiologues, ça peut être en plus, oui, des thérapeutes aussi. Il y a plusieurs types de coachs, mais vraiment que tu te sentes le droit d'aller vers le thérapeute ou le professionnel du bien-être qui t'appelle à ce moment-là, parce que il y a des blocages à différents niveaux qui parfois nous freinent dans notre évolution. Donc, c'est important aussi, selon moi, et je pense pour tous ceux de notre profession qui le font avec cœur, de se faire accompagner aussi là-dessus, parce que bah, des fois, on a besoin d'avoir des regards extérieurs pour pouvoir identifier la poutre qu'on a dans l'œil ou dans l'oreille et qui nous freine dans notre avancement, en fait. Donc voilà, donc ce n'est pas une fatalité, mais c'est juste que effectivement, voilà, tu vois, il y a Petite Main qui dit que je crois que j'ai besoin de ton aide, Marie-Noël, pour éveiller ma puissance intérieure. Donc, Petite Main, n'hésite pas à envoyer un petit DM à Marie-Noël juste après le replay, enfin pas le replay, notre échange rayonnant pour justement parler davantage de son accompagnement. Et voir comment est-ce que tu peux te débloquer. Oui, et c'est vrai que je crois que seul on va loin, mais à plusieurs on va beaucoup plus vite. Et c'est ça, aujourd'hui c'est important de consacrer du temps à soi, mais aussi de l'argent à soi. C'est important parce que si on ne consacre pas du temps et de l'argent pour soi, pour se développer, ben, cet argent, il passe dans autre chose. Ouais, je suis là. J'ai eu un petit bug. Ok. Excuse-moi. Donc, tu disais, oui, c'est important d'investir du temps et de l'argent sur soi. J'ai pas entendu après, je suis désolée. Du temps et de l'argent sur soi parce que seul on va plus vite, mais je disais, C'est bon, tout le monde m'entend? est-ce que tu m'entends? Oui, là je t'entends bien. Je disais que c'est important d'être à plusieurs pour aller plus loin, parce que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors du coup, Marie-Noëlle, quelles sont les trois clés que tu nous partages pour
Vivre davantage dans l'abondance. Tu Alors, m'entends? trois clés. Alors, je n'ai Ah oui, pas... tu m'entends. Oui, je t'entends. Je n'ai pas pensé. Alors, pour vivre dans l'abondance, ben, décider d'être, de devenir l'architecte de sa vie, c'est important. Donc, pour moi, c'est prendre sa responsabilité, hein. On est responsable. Notre abondance ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Ça dépend de nous. Donc, pour moi, c'est la première. Est-ce que tu... Oui, tu me vois, ça va? Oui. Oui, ça va. Alors, la première clé, décider de devenir C'est l'architecte pour de sa vie moi parce qu'on est aussi, comme responsable je de l'ai notre. mentionné au début, qui t'a fait bien rigoler, c'est voir, être capable de voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Ah, je ne t'entends plus. Alors, être capable de voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Test, un des tests. Oui. Oui, là, je t'entends. Et puis, la troisième clé, c'est d'accueillir les... d'être à l'écoute et d'accueillir... Alors, j'ai pas entendu. Accueillir et être à l'écoute. Ouais. J'ai pas entendu la fin. Est-ce que tu m'entends? Oui, Est-ce que là, je tu... t'entends. Ok, j'ai mis mes écouteurs. Donc en fait, on était sur la troisième clé. Oui? Et donc en fait, Accueillir et être à c'est l'écoute. pour moi, c'est la cons la être capable d'être dans la fluidité, dans le flow. D'accord. Donc, accueillir les événements de la vie, du quotidien. Accueillir et être à l'écoute des synchronicités. Accueillir, être à l'écoute des synchronicités. D'accord. Accueillir et être à l'écoute des synchronicités. Des synchronicités. Ça va? Et aussi pouvoir voir fonctionner avec fluidité dans les événements de la vie du quotidien. Ouf. Alors, dernier point. Hop. Marie-Noël, on a été coupé. Ça arrive, hein, malheureusement. C'est. Il y en a qui diront que c'est Mercure qui est rétrograde. Et puis. Alors. Marie-Noël, est-ce que tu as pu revenir avec nous? Alors. Petite main, c'est une année où tu as dit 7, 7, 7 partout. Ben, ça, c'est top, ça. Alors, on va voir si jamais on peut avoir Marie-Noël pour finir, pour clôturer notre échange rayonnant. Hop. Je suis désolée. Yeah!
Désolée, hein, ça coupe, c'est pas évident. Donc, je sais que la dernière partie, je ne sais pas qu'est-ce que tu as entendu parce qu'on n'était pas en synchronicité du tout. Eh bien justement, tu disais accueillir les événements de la vie au quotidien et être à l'écoute des synchronicités. Donc, c'est un petit peu ça. D'accord. Donc en fait, c'est ça. Pour moi, accueillir les synchronicités, ça permet de la fluidité en fait. Ça permet d'être dans le flow. Donc plus tu es dans le flow, plus tu es capable de voir l'abondance, de reconnaître l'abondance. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Noëlle, pour cet échange très rayonnant. On te retrouve sur Marie-Noëlle l'éclaireuse sur Instagram. Sur Facebook, c'est pareil. C'est Marie-Noëlle Oui, l'éclaireuse aussi. c'est pareil. Et ton site internet, c'est. www.marie-noëlle-fedroni, fée comme une fée, .com. Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci aux personnes qui nous ont regardés, qui ont participé et qui vont nous regarder en replay. N'hésitez pas à me visiter, à me mettre des coucous sur ma page. Et puis, il me fera plaisir de pouvoir prendre un petit thé de l'amitié avec vous. Oui, parce que là, tu viens d'ouvrir justement la période où tu prends l'été de l'amitié. Donc, merci d'ailleurs pour ça, parce que c'est l'occasion effectivement de te découvrir. Petite main, je t'invite à bénéficier de cette opportunité pour découvrir Marie-Noëlle et de voir comment est-ce qu'elle peut t'aider justement à lever tes blocages et à avancer vers ce qui pétille en toi, n'est-ce pas? Exactement. Et retrouver sa puissance intérieure, parce que c'est se reconnecter à sa puissance intérieure, parce qu'elle a toujours été là. C'est simplement qu'on a été déconnecté avec cette puissance à un moment donné. C'est ça. Donc voilà, merci beaucoup encore Marie-Noëlle pour cet échange rayonnant. Merci à toi, cher âme créative, qui nous a suivis durant tout cet échange. Et je te dis à très vite pour un nouvel échange rayonnant. En tout cas, pour le moment, on continue sur la saison de l'abondance. Donc à très bientôt. Bye À bientôt, bisous. bye.